Alors. Et Jambo, bon dia, assalamu alaikum. Hello, my name is Puleng Gabula. I'm the principal and vice chancellor of the University of South Africa. I'm truly elated to commemorate and celebrate the 50th anniversary of the Council for the Development of Social Sciences Research in Africa. I bring you warm greetings from the University of South Africa, known as UNISA, which marks 150 years of its anniversary since its founding in 1873. UNISA started as a pioneer in the development of open distance education in the world, making accessible higher education to majorities who would have been left out. UNISA equally is one of the pioneer universities in the world to have started this modality. We are truly appreciative that Africans have equipped this important resource
to the global arena and have made it even more imperative in the post-COVID-19 pandemic, a resource that enables varied institutions, whether higher education or basic education, including industry, to mediating distance and ensuring success. In our 150 years of our anniversary, we have determined and recommitted ourselves as a university to reclaiming Africa's intellectual future. We do so drawing on the insights, ideas, contestations, and philosophies of Africa that have humanized the global arena that is in the tumult. The founding of CODESTRIA in 1973 was indeed a humble beginning. The founders were driven by a vision of autonomous, independent, robust African social sciences community who are responsive and who take initiative to finding intellectual and progressive solutions to our society. In the past 50 years, the Council has established itself as Africa's most vibrant, if not longest existing, community of Africa's social sciences and humanities scholars. As the terrain in which CODESTRIA operates, it has shifted, it has strengthened universities, it has made Africa's knowledge systems to be at the center of drawing and bringing the transformations in the world that take into cognizance this idea of asserting knowledge, humanity, philosophies, sciences, inventions, and contributions of the best that Africa embodies, including the interventions in the policy arena. At the depth of the crisis of higher education funding in Africa, under the structural adjustment programs, the Council for Development of Social Sciences Research was the resource for innovative vehicles to support postgraduate research and to sustain production of doctoral graduates. This was even more important at a time when the financial institutions were only requiring Africa to invest in basic education, undermining this imperative of developing the knowledge areas and scientists that could shape the lives of Africans and the world in which we live in. Over the years, the Council has become a site for vigorous debates and institutional reforms to redress inherently gendered nature of intellectual work generally and the social sciences in particular. The Council's annual Gender Institute and other institutes are some of the longest existing platforms for addressing not only gender issues, but socio-political, economic, ecological, and other social sciences dynamics that require urgent attention, if not knowledge that helps us to informing the world and our governments. I've been privileged to benefit from the insights of mentors, of established scholars, of emergent generational scholars that have met within the Council for the Development of Science, the Council for the Development of Social Science in Africa. I remember as a young scholar in 2013, as a young scholar during my doctoral studies, we were brought to the 13th General Assembly of CODESTRIA. We were a cohort of younger scholars who were mesmerized by the ideas of rebuilding Africa through knowledge. At the 13th CODESTRIA Council, we met some of the best minds that Africa has produced and who are framing the global knowledge system. We appreciated the encounter with the erstwhile and committed sons of the soils and daughters of the soil, some of whom have departed this world, such as Professor the late Achim Afeju, who later on became a mentor to many of us at UNISA, creating opportunities, mentorship, and engagement. We also met great
Scholars such as Tamamim were looking for the great issues, Ventadesa and others, Sinian. Whether you think about Mahmud Mamdani, Tandikam Kandawiri, Sam Moyo, Adebayo Ologwoshi, Achim Afeje, and others. But I was really even more proud to meet women scholars such as Amina Mama, Georgie Chikata, Fatima Haraka, and others who are also looking into projecting women's voices, feminist voices, womanist voices, or Busabi voices into the reflections. I appreciated the inquiry and mentorship of presidents such as Sam Moyo and others who made it a point to take us into their wings and to ensure that as young academics, we did not lose sight of contributing to the critical path of institutional building of universities in Africa, but also to the contribution globally. As the Council marks its 50th anniversary, I wish it a vibrant and prosperous future. I, like many scholars of the continent and future generations, have the obligation to ensure that we take the baton from those who founded CODESRIA, those who build on it, those who encourage younger scholars to participate in, and those who are still investing in this important asset of our society on the continent. I assure the Council of our commitment as the University of South Africa to continue to working and drawing on the lessons from CODESRIA and in reclaiming Africa's intellectual future. We wish CODESRIA all the best as it celebrates 50 years, and we hope for the next 50 years with the vibrancy that CODESRIA has constantly reclaimed the dignity of Africans, their knowledge systems, and their contribution to the global knowledge system. Thank you. Asante sana. Thank you very much, and welcome to the last day of the 16th CODESRIA General Assembly. I get a sense that you are fully rejuvenated after yesterday, and I want to welcome you to this session that will be chaired by Professor Kofi Anyidoho, who comes to us, of course, from the University of Ghana, the Gone. Professor Anyidoho is very well known to all of us, but perhaps most importantly, he has been a lead person with respect to the humanities program here at CODESRIA. And it's a pleasure to welcome you, Professor, and please take it. Thank you for coming back into this hall this morning after yesterday's very vigorous dancing that I saw. As the Executive Secretary announced, this is the final formal session of presentations. And it has been a tradition in CODESRIA that most of the major sessions or conferences or general assemblies end with what is formally designated as an end note, keynote presentation. And it has fallen to me to chair this session, and I'm grateful for that. But also particularly grateful that I'm chairing a session that is going to be given over to one of the best minds that this continent has produced, Professor Suleiman Bashir Dian, who I have had the pleasure of working with in helping to get the humanities section of CODESRIA established and integrated
into programs focusing on the social sciences. Many of you know him already in his many roles, but for the sake of the records, let's recall that he was one of the early presidents, chairpersons of the scientific committee, having served also on the executive committee of CODESRIA. And as I said, it was partly in those roles that he became involved in bringing the humanities on board in partnership with the social sciences. Professor Suleiman Bashir Jian taught for many years at the Sheikh Anta Diop University, and then moving to the United States, based initially at Northwestern University, where in fact, at the time, there was this three-way collaboration between CODESRIA, University of Ghana, and Northwestern. We would receive humanities fellows in Legon briefly, about 10 weeks or 8 weeks, and take them to Northwestern for another residency there. And he was the key person, point person for us there at Northwestern. The year in which the Humanities Institute focused on philosophy, he played the role of the preceptor. Moved later from Northwestern to Columbia University, where he has been since then, and visiting many other universities in the process. Let me, with deep pleasure, invite him to address us. The topic for his presentation kind of sums up all that we have been engaged in since Monday. He put it very simply, lessons from the pandemic. Professor Jian, podium. Thank you so much, Kofi. It is quite fitting that you and I, humanities people, find ourselves in this session together. And I would like to thank very much our good friend Godwin Murunga for the honor of having me present for the endnote keynote. Now I will revert to French because it would sound bizarre for me to be speaking English in my own country. So I just give you a few seconds to put on your ear. Chacun de nous, chacune de nous, a vécu la pandémie d'une manière personnelle, d'une manière intime. Mais la crise porte également des enseignements universels. Et le temps est venu pour les spécialistes des sciences sociales et des humanités que nous sommes de commencer à tirer les leçons de ce qui nous est arrivé, de ce qui nous est arrivé quand le virus du corona a fait irruption dans le monde. Et c'est à titre de contribution à cette entreprise que le CODESRIA a mille fois raison, comme toujours, de juger urgente et nécessaire, que je vais partager avec vous des réflexions qui ont fait l'objet d'interventions publiques de ma part durant les deux terribles années pendant lesquelles le virus a sévi, sur des sujets comme religion et crise sanitaire, le discours de la science au défi de la COVID-19, ou encore pour une politique d'humanité
en réponse à la crise sanitaire et à l'urgence climatique. Ces interventions ont eu pour cadre des conférences académiques, bien sûr, mais également des entretiens dans la presse lorsque, comme bien d'autres d'entre nous, j'ai été sollicité sur ces sujets en raison de mes travaux en philosophie islamique d'une part, de l'autre en épistémologie et en histoire des sciences. Ces intitulés de mes interventions passées annoncent ce que seront les trois moments de mon propos de ce matin. Le premier concernera la citoyenneté et la religion à l'épreuve de la pandémie. On comprendra que d'une question comme celle-là, on ne puisse traiter que depuis un lieu précis et du point de vue d'une religion précise donnée. L'on comprendra également que mon examen soit conduit à partir de l'exemple d'un ou plusieurs pays comme le mien, le Sénégal, où la religion est majoritairement l'islam. Mais cela dit, je crois que la leçon que j'en tire est valide au-delà du cas particulier que j'avais considéré, vous en jugerez. Le second moment de ma présentation portera sur le discours de la science en temps de pandémie. Je lui donne pour titre « Le savant et le politique », en évoquant ainsi bien sûr Max Weber et en passant ainsi du monde de la religion à celui désenchanté de la science. Je me propose d'y examiner brièvement la question de la nécessité pour la décision politique de suivre l'avis de la science, en posant justement la question du caractère apodictique de cet avis. Enfin, je terminerai dans un troisième moment sur la proposition d'un cosmopolitisme pour le 21e siècle comme étant la tâche qui s'impose à nous si nous savons tirer les leçons de la crise sanitaire et environnementale que nous vivons. J'y vois une actualisation devenue urgente d'un idéal cosmopolitique d'une citoyenneté mondiale. Je l'appelle une cosmopolitique d'humanité. Donc, citoyenneté et religion à l'épreuve de la pandémie. Un ouvrage collectif récemment paru sous le titre « Les spiritualités en temps de pandémie » sous la direction de Laetitia Atlani-Duo, publié chez Albin Michel l'année dernière. Cet ouvrage donc place au cœur de son propos la notion que la crise de la COVID aura été un kairos, un moment décisif et une occasion critique où les religions se sont trouvées mises au défi de repenser les ritualités qui en sont constitutives et de penser jusqu'à la signification même de la foi. La grande contradiction à laquelle les religions ont dû faire face lorsque les seules armes contre la dévastation de la pandémie étaient les mesures de distanciation sociale, les fameuses mesures barrières, et que celles-ci vont précisément contre le mouvement pourtant naturel en période d'épidémie des croyants, de faire communauté dans la prière collective. On sait que dans ce genre de circonstances où l'on pense très rapidement à un fléau divin, les croyants se retrouvent et ont tendance à se regrouper. Au Sénégal, où je me trouvais au moment où les premiers cas ont été déclarés, on a pu craindre au début une résistance religieuse aux mesures dictées par la science épidémiologique, résistance qui serait alors venue essentiellement des musulmans, puisque nos compatriotes catholiques ont rapidement suivi les bonnes décisions venues du Vatican et du bon pape François. Renoncer à la prière du vendredi à la mosquée, renoncer aux célébrations programmées par les différentes confréries soufis auxquelles adhère une majorité de musulmans sénégalais et qui drainent vers les capitales religieuses comme Touba ou Tivaouane des centaines de milliers de fidèles, telles étaient les questions. Le Sénégal est un pays laïque, même s'il est démographiquement musulman à 95%. Sa laïcité telle qu'elle fut définie en particulier par son premier président,
le poète Léopold Sédar Senghor, il faut le préciser, ne reproduit pas le concept français du principe, mais insiste au contraire sur l'idée que les religions, les dénominations religieuses et les différentes traditions spirituelles, dans le respect de la séparation des églises et de l'État, ont leur rôle propre à jouer dans la construction continue de la nation. Senghor parlait ainsi de leur rôle d'éducation, entendu au sens large. L'État devait donc s'adresser aux populations et ne justifier ses décisions que comme étant celles que commandait sa seule responsabilité devant les citoyens et pas les croyants. Fermeture de l'aéroport, interdiction de rassemblement, religieux en particulier, et bientôt état d'urgence avec couvre-feu la nuit pour mieux faire respecter les mesures barrières. Il était nécessaire aussi que, comme croyants, les citoyens fussent convaincus que le respect des mesures édictées allait dans le sens de l'esprit de leur religion. En effet, le caractère, pour ainsi dire, de fléau de la pandémie, le caractère lumineux de la pandémie, tel que perçu par un croyant, pouvait facilement mener à un refus des mesures en leur opposant une croyance au décret de Dieu. Ce discours a été entendu dans bien des pays et pour bien des religions. Pour ce qui est de l'islam, je me souviens que la question semblait en effet urgente de savoir si cette religion supposée fataliste n'allait pas conduire au désastre des populations entières, persuadées de s'en remettre au décret de Dieu en ne se gardant pas du virus par les mesures barrières qui étaient alors notre seule protection. Cette question me fut posée très tôt, au début de la période du confinement, lorsque je fus invité en avril 2020, dans la série d'émissions spéciales du temps du débat sur France Culture, intitulée « Coronavirus, une conversation mondiale ». J'ai répondu que les temps imposaient en effet une réflexion sur la signification du décret de Dieu et que sur ce point, il était heureux que le kairos de la pandémie, ce temps de crise où les croyants se tournent vers leur religion pour l'interroger sur ce qu'il faut penser et sur ce qu'il faut faire, que donc ce kairos est rappelé et mis en lumière, ces paroles du prophète de l'islam, « Si la peste se déclare dans une contrée, n'y allez pas, mais si vous y êtes déjà, n'en sortez pas. » La COVID-19 n'est pas la peste, bien entendu, et éviter de se rendre dans une contrée infestée par la peste n'est pas la même chose qu'adopter des mesures barrières. Mais ce qu'il y a d'important dans cette tradition prophétique que je viens de citer, c'est qu'il présente de la religion la face rationnelle qui doit être la sienne, en donnant au décret de Dieu le sens qui doit être le sien. Ce sens, justement, qu'il faut opposer à un stéréotype parmi tant d'autres concernant la religion musulmane, celui qui en fait une doctrine du fatalisme et donc du fanatisme parce que du fatalisme. Le stéréotype parfois intériorisé par les musulmans eux-mêmes ne date pas d'aujourd'hui, il vient de loin. Il est répété non seulement par la vox populi, mais même par la philosophie, par un philosophe en particulier comme Leibniz, qui croyait pouvoir affirmer que la croyance aveugle des musulmans, qu'il appelait fatum mahometanum, croyance donc dans l'inévitabilité de la fatalité de ce qui est déjà écrit et est tel qu'ils sont prêts, les musulmans, à se rendre dans un lieu où ils savent pourtant qu'une épidémie fait rage, dans la conviction que ce qui leur arrivera ne dépend que du décret éternel de Dieu. Sur cette parole de la vox populi et sur cette parole philosophique, je voudrais faire trois remarques. La première, technique. Leibniz est un philosophe du pluralisme et de l'ouverture, qui se sert de l'image d'une religion islamique qui serait fataliste comme d'un repoussoir pour insister sur l'idée que sa propre métaphysique d'un monde produit nécessairement par le calcul divin du meilleur
n'est pas un système de prédestination absolue, ne faisant aucune place à la liberté. Il établit aussi un contraste avec ce qu'il appelle le fatum stoicum, le fatalisme des stoïciens, et indique que sa philosophie sur la question est pleinement en accord avec le fatum christianum, le sens de la nécessité chrétien. Deuxième remarque, moins technique. Le lecteur de Leibniz, ignorant de la parole prophétique que j'ai citée tout à l'heure sur la peste, pourrait penser que le philosophe de Hanovre a totalement imaginé l'exemple qu'il donne de l'inconscience fataliste des musulmans consistant à se rendre dans un lieu où sévit une épidémie en se disant « si c'est le décret de Dieu, cela m'arrivera ». Or, il n'en est rien, puisque visiblement son exemple fait justement allusion à la parole prophétique que j'ai citée sur la peste. Troisième et dernière remarque, Leibniz prend totalement à contresens ce que dit la religion islamique de l'attitude à adopter face à une épidémie, puisque la parole prophétique est exactement le contraire de ce que l'auteur des Essais de Théodicée présente comme la doctrine musulmane. Ne vous rendez pas dans un endroit où une épidémie s'est déclarée, mais si vous y êtes déjà, n'en sortez pas. Sous-entendu, afin de ne pas répandre le fléau. Alors, quelle leçon retenir ici? Pour parler de l'exemple précis, il était important que les décisions aient été dictées uniquement par le bon sens et la science à l'État laïque sénégalais. Cet État n'a pas à s'occuper des croyances. Elles ont néanmoins pu apparaître aussi comme une traduction moderne de cette parole prophétique au sujet de la peste, dont la leçon de rationalisme fut d'autant mieux entendue que la Mecque elle-même s'est fermée au pèlerinage, donnant à voir aux musulmans cette image absolument sidérante de la Kaaba, vide de ses nombreux pèlerins, qui à toute heure du jour et de la nuit, tous les jours, 365 jours par an, reproduisent sur la terre les éternelles circambulations des anges autour du trône divin, pour faire allusion à ce que croient les musulmans. Plus généralement, le kairos de la pandémie enseigne que ne pas tenir compte du bon sens et de ce que la science nous dicte n'est ni une manifestation de l'intensité de notre adhésion à la religion, ni l'abandon confiant à la volonté divine que la vraie foi exige. Qu'au-delà de la situation qui en est l'objet, la tradition de la peste et du décret divin fait injonction aux croyants d'avoir foi d'abord en la raison humaine, car les religions concernent d'abord l'humanité de l'humain. C'est ainsi qu'il faut entendre la parole du juif Maïmonide lorsqu'il dit que la Torah parle le langage des enfants d'Adam. Ainsi aussi qu'il faut entendre la parole du Christ, disant que le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. La leçon de cet humanisme de la religion, au-delà de la période Covid, est importante pour l'avenir. Et je crois qu'en temps de guerre des religions comme nous en vivons malheureusement, c'est un sujet que, comme spécialiste des sciences sociales, il nous faudra penser. Parlant de religion, j'ai parlé déjà de la science et de la politique, objet du deuxième moment de mon propos. Bien avant la crise du Covid, l'idée était relativement répandue, tout particulièrement chez certains croyants, justement, que la science n'est qu'une voie parmi d'autres, un récit que valent d'autres récits. La science de l'évolution, par exemple, est ainsi la cible par excellence des propos sceptiques et relativistes sur la vérité scientifique qui tiennent que le récit d'une création du monde et des espèces telles qu'on les connaît n'a pas moins de validité que celui du transformisme et de l'évolution. Avec la crise de la COVID,
l'opposition entre la confiance en la science et le déni de celle-ci s'est exacerbée et a pris, dans le climat politique que font régner les populismes aujourd'hui dans bien des pays, des allures de guerre tribale. Il est tout à fait symbolique de ce climat, ce fait que la rivalité sportive entre les champions de tennis que sont Novak Djokovic et Rafael Nadal s'est aussi trouvée dramatisée en une confrontation entre le refus d'un vaccin, dont le premier remettant en question, selon ses propres termes, la science qu'il a produit, considère qu'il constitue une menace pour son intégrité physique, et l'invitation du second, l'Espagnol, à s'en remettre aux prescriptions de ceux qui savent mieux que le commun des mortels ce qu'exige la santé publique. Si le combat, qui est aussi politique, entre science et scepticisme, ou simplement anti-science, connaît une virulence particulière en ce temps de pandémie, c'est entre autres raisons parce que la science dont il est question est celle qui se cherche et non celle qui est déjà établie. Lorsque il m'a été demandé d'intervenir sur la question pour réagir au complotisme les plus irrationnels qui se déversaient des réseaux sociaux en Afrique comme ailleurs, c'est là un point d'épistémologie qu'il m'a semblé important de souligner. La science en train de se faire n'est pas celle qui est axiomatiquement constituée, assurée de ses principes et établie sur des données empiriques éprouvées. Dans le langage du philosophe Descartes, l'ars inveniendi n'est pas l'ars demonstrandi. Autrement dit, l'art de chercher, l'art de trouver n'est pas la même chose que l'art d'exposer ou l'art de démontrer. Voilà une évidence que deux longues et terribles années de crise sanitaire et d'essais pour y apporter réponse nous ont rappelé. Ces années nous ont amenés à poser les questions épistémologiques fondamentales. Qu'est-ce que le scientifique ? Qu'est-ce que l'indubitable ? Comment convaincre de son évidence et de quelle nature est cette évidence ? Les controverses qui ont accompagné toutes les péripéties de ces deux dernières années, depuis les confinements jusqu'à ce qui apparaît comme le salut par la vaccination, illustrent parfaitement la thèse centrale du philosophe autrichien et britannique Karl Popper. La logique de la découverte scientifique ne conduit pas des prémices indubitables à des thèses qui en engendrent d'autres à leur tour. Elle mène de conjecture en réfutation, pour jouer ici sur deux titres de ce philosophe. Faire des hypothèses pour ensuite chercher à les mettre à l'épreuve de tout ce qui peut les réfuter, telle est la démarche de la science. Le scientifique n'est donc pas l'indubitable, mais ce qui s'ouvre continuellement et continuellement au doute. On a ainsi vu des experts se contredire pendant ces années COVID sur le port du masque et autres mesures barrières, ou un moment sur les vaccins lorsqu'ils furent disponibles, non pas en dépit de leur expertise ou contre cette expertise, mais précisément parce que c'est ce qu'exige leur expertise. Savoir changer d'avis avec les faits, c'est cela, la science. Cela seul est d'un géomètre. Cela se justifie et se comprend dans le monde de la science, mais que se passe-t-il quand le discours de la science se présente maintenant dans l'espace public du débat et des décisions politiques, où la pression n'a rien à voir avec le temps du laboratoire? D'une certaine façon, dans un tel espace, ce discours se trouve déplacé. J'ai parlé à propos de la religion d'une contradiction fondamentale. Celle que connaît le discours de la science en train de se faire est justement de risquer de nourrir, par les incertitudes qui lui sont consubstantielles, le scepticisme anti-science. Parce que lui-même fait un usage rationnel du scepticisme,
il peut conforter ce discours de la science par son doute de méthode, le propos de ceux qui font profession de semer le doute et qui trouvent aujourd'hui dans les réseaux sociaux les outils qui servent leur dessein. On a vu ainsi les sceptiques de tous bords prendre appui sur l'histoire des sciences pour faire valoir qu'un vaccin inventé en seulement quelques mois ne pouvait pas être valide quand on sait ou qu'on croit savoir qu'il a fallu plusieurs années pour mettre en circulation ceux qui sont d'usage courant. Un tel propos peut sembler rationnel, bien sûr, et comme tel, il demande une réponse rationnelle. Mais celle-ci ne sera audible que pour qui comprend que l'image d'une science qui progresse selon une logique et une temporalité propres, depuis l'eureka du chercheur jusqu'à la bonne application technique, n'a pas grand-chose à voir avec la réalité d'une démarche aujourd'hui largement déterminée aussi par des facteurs externes, des facteurs sociologiques, qui sont les incitations de toute nature et en particulier le financement. On le sait, ce qui a fait que le vaccin est apparu aussi rapidement, c'est qu'il y a eu un préfinancement massif, quasiment à l'aveugle, puisqu'on ne savait pas au bout de ces milliards de dollars qui ont été injectés s'il sortirait effectivement un vaccin. C'était la meilleure preuve au fond que la sociologie de la science et la réflexion sur le financement de la science vaut davantage que l'idée d'une logique qui serait une logique interne à la science. J'ai dû dire une bêtise parce que Dieu me dit que c'est le cas. Excusez-moi, pardonnez-moi. Alors, où en étais-je, mon Seigneur? Dans le cas des vaccins qui nous permettent aujourd'hui de retrouver une nouvelle normalité, ces facteurs sociologiques qu'étudie la sociologie de la science ont donc joué pleinement. Je termine sur ce point en évoquant dans l'ouvrage « Le savant et le politique » la différence qu'établit Max Weber entre une éthique de conviction et une éthique de responsabilité. Car la contradiction dont je parlais tout à l'heure est justement là. L'éthique de responsabilité, qui dicte en principe ses décisions aux politiques, peut s'accommoder des incertitudes, à la différence de celle du tout ou rien, dont Max Weber disait qu'elle est la posture caractéristique de l'éthique de conviction. C'est là l'expression même du lien entre un savoir scientifique fondé sur la falsifiabilité et la démocratie. C'est là une autre importante leçon de la pandémie que de nous avoir rappelé la force qui est également la fragilité des démocraties, de faire avec les incertitudes et les tâtonnements par souci du vrai et de notre côté, les populismes dont la nature est d'afficher des certitudes, même fondées sur des fake news ou des faits alternatifs, selon un oxymore qui est devenu caractéristique des temps que nous vivons. Mais la leçon essentielle, et ce sera le troisième et dernier volet de mon carnet de bord de la pandémie, c'est la nécessité où nous sommes de penser une citoyenneté mondiale ou ce que j'appelle une cosmopolitique d'humanité. Pour la définir, il faut d'abord voir contre quoi elle est nécessaire et commencer par l'affirmation qu'elle suppose un combat contre l'inégalité. La crise de la COVID-19 a mis en évidence ce qui n'allait pas dans un monde qui a dû s'arrêter. Et ce qui n'allait pas, c'était l'inégalité. Pas seulement l'inégalité de ressources, mais une inégalité encore plus fondamentale, l'inégalité devant la mort. Le virus a frappé aveuglément, certes, mais une approche d'ensemble, une approche sociologique, montre que ce sont les populations les plus défavorisées qui en ont payé le prix. Lorsque, par exemple, les États-Unis ont souffert plus que tout le monde de la pandémie et que New York en est resté l'épicentre pendant une période qui nous a semblé, à nous autres New-Yorkais, une éternité, il est devenu patent que les populations noires, latino ou amérindiennes
était frappé de manière totalement disproportionnée. C'est ce caractère de l'inégalité sociale devant la maladie et la mort, devenu visible au point d'en être choquant, qui est sans doute une des causes de l'explosion sans précédent qui a suivi le meurtre de George Floyd et explique pourquoi ce nom est devenu aujourd'hui synonyme d'une exigence de justice sociale et raciale en Amérique et partout dans le monde. D'autres cas, pourtant, s'étaient produits avant George Floyd, sans entraîner la même réaction. Ce qui a fait la différence, c'est le contexte de la pandémie et la lumière crue que celle-ci a jetée sur la signification vitale de l'inégalité et ce qu'elle a d'absolument insupportable. Mais je voudrais m'appesantir plutôt sur l'inégalité entre les nations plutôt que celle au sein des nations. Et pour cela, voir la pandémie et la leçon qu'elle porte depuis le continent africain. Nous nous souvenons que lorsqu'il est devenu évident que la crise allait devenir une pandémie mortelle, on s'attendait, comme toujours, à ce que l'Afrique soit finalement la principale victime du virus. On s'attendait à ce que ces faibles infrastructures de santé publique ne fassent pas le poids et soient rapidement submergées. La perspective, au début, était que l'incapacité des États africains à mettre en œuvre les mesures sévères nécessaires pour protéger leur population serait synonyme de troubles sociaux pouvant conduire au chaos. Les craintes qui se sont ainsi exprimées traduisent la reconnaissance du fait de l'inégalité face à la maladie et à la mort. Quelle que soit l'origine du virus, croyait-on, il finira par suivre dans ses ravages la voie de moindre résistance pour devenir une nouvelle tragédie africaine, encore une. Ce qui était ainsi reconnu, non sans un certain fatalisme, c'est ce que Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, avait appelé l'ordre de l'injustice qui régit les rapports entre le Nord et le Sud. D'abord, ce que dit cette expression de Senghor, c'est la chose suivante. Ne regardons pas seulement cet ordre comme une fracture, pour ainsi dire, naturelle entre un Nord riche et un Sud sous-développé, défini en termes économiques. Pour le penseur et homme d'État sénégalais, le fondement de l'ordre régnant de l'injustice mondiale est principalement culturel et seulement secondairement économique. Sans ignorer l'économique, puisqu'il a parlé justement de cette inégalité en termes de détérioration des termes de l'échange, mais pour lui, un ordre économique mondial fondé sur l'inégalité est d'abord et avant tout lié à ce qu'il appelait le mépris culturel. Et aujourd'hui, l'ordre de l'injustice qui régit les rapports entre le Nord et le Sud se manifeste dans la crise socio-économique créée par les réponses nécessaires aux pandémies et fut aggravée par les conséquences de la guerre en Ukraine. La pandémie a mis en évidence cet ordre de l'injustice, tout particulièrement lorsqu'il s'est agi de l'accès au vaccin et de la proposition qui a été tout simplement bloquée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne, que les pays en développement, ayant des capacités dans le domaine, puissent augmenter l'offre de vaccins en fabriquant des génériques à condition que l'Organisation mondiale du commerce accepte de suspendre pour cause de pandémie et donc de cas de force majeure les protections habituelles de la propriété intellectuelle. Et pourtant, in fine, le fait que l'humanité se soit arrêtée n'a pas suffi pour qu'on dise la réponse « non, 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 ce sera business as usual. So business as usual did prevail then. » On se rappellera ici le propos d'Édouard Glissant, opposant au marché monde qui se satisfait parfaitement des égoïsmes et des ethnonationalismes, ce qu'il a appelé la mondialité. Le président Biden, lorsqu'il était le candidat Biden, avait dénoncé dans le langage de l'éthique l'isolationnisme vaccinal du président Trump au nom, je le cite, de la dignité humaine, déclarant qu'une politique pour l'accès de tous à la vaccination
était la seule chose humaine au monde à faire. Et dans une tribune du New York Times en date du 29 mai 2022, David Wallace Wells, appelant comme beaucoup l'injustice vaccinale un apartheid, appelait à s'aviser que le combat contre l'inégalité sanitaire va de pair avec celui contre l'injustice climatique. Il l'a fait dans une tribune intitulée « What Vaccine Apartheid Portends for the Climate Future ». Je m'arrête sur ce mot d'apartheid, qui est la politique des murs contre l'idéal cosmopolitique. Comme tel, elle n'est pas seulement éthiquement et politiquement condamnable, elle est aussi absurde devant les défis qui sont aujourd'hui ceux auxquels nous faisons face. Car cette période extraordinaire de la pandémie que nous avons vécue, et il n'est pas certain que nous ne la vivions pas encore, nous montre que l'humanité est une et fragile devant un ennemi invisible, qu'aucune frontière, même devenue un mur, n'arrêtera. Et qui nous révèle, si nous ne le savions déjà, combien notre Terre est petite et notre monde fini. Elle nous rappelle également à quel point nous sommes vulnérables et comment, après une première phase d'auto-isolement, d'exacerbation des nationalismes et de la pensée tribale, nous devons envisager un avenir de développement solidaire autour de la sécurité humaine et de la valeur de la vie. Une politique qui soit donc la réponse de l'humanité comme humanité est la seule réelle, parce que globale, aux deux crises majeures de notre temps, celle sanitaire dont on nous dit déjà qu'elle sera selon toute probabilité suivie d'autres, et celle environnementale dont on convient qu'elle commande une mobilisation mondiale, celle qui est en train de se manifester à Dubaï en ce moment. On l'appellera une cosmopolitique avec mon ami Étienne Balibar lorsqu'il déclare que, je le cite, « toute politique doit être désormais pensée et pratiquée comme une cosmopolitique, une politique du monde et de la mondialité », ajoutant qu'elle doit être une politique de l'espèce humaine. Parce que le grand changement qui s'est produit aujourd'hui, dont parle également Dipesh Chakrabarty, c'est que, en tant qu'espèce humaine, nous sommes devenus une force géologique. Autrement dit, nous sommes en mesure aujourd'hui de déclencher la puissance qui a fait disparaître les dinosaures. C'est la première fois que ceci arrive dans l'histoire de la Terre depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle apprendre à penser en tant qu'espèce est un impératif de notre temps. Cette politique d'une espèce humaine ne se confond pas non plus avec une simple politique humanitaire, car celle-ci ne ferait à bien des égards que reconduire la ligne de partage nord-sud dont j'ai parlé tout à l'heure. Je voudrais soutenir que cette politique globale sera fondée sur un nouvel humanisme à penser ensemble et qui repose sur le concept d'une humanité solidaire et d'une humanité responsable. Solidarité pour faire humanité ensemble, selon une expression que j'affectionne, et responsabilité de savoir habiter ensemble la Terre, selon une autre expression que j'affectionne, deux significations qui, me semble-t-il, sont réunies dans les mots Wolof et Bantu, Nité et Ubuntu, à condition que ces mots aient été philosophiquement construits comme des concepts. Ce que nous disent alors ces concepts, c'est que l'humanité de l'humain se réalise dans la relation aux autres humains, dans la réciprocité. Qu'elle n'est donc pas un état, mais une tâche, et, comme je l'ai dit, qu'elle se réalise dans la réciprocité. Du mot Ubuntu, Nelson Mandela, dont on a célébré le 10e anniversaire de la mort, a déclaré que le champ sémantique qu'il recouvre est assez vaste, mais qu'il signifiait simplement et au bout du compte, trouver un moyen de rendre la communauté meilleure. Aujourd'hui, la communauté, c'est le monde, celui des humains, mais plus largement, celui du vivant en général. Le cosmopolitique est aussi et d'abord une politique de la vie. Disons
qu'il s'agit de ce que le philosophe Frederick Worms a appelé un humanisme vital, qui traduit bien ce principe qui est le premier article du serment des chasseurs. Une vie, je cite le serment, une vie née avant une autre, c'est vrai. Et pourtant, aucune vie n'est plus ancienne, plus respectable qu'une autre. De même, aucune vie n'est supérieure à une autre. Et c'est le premier article du serment des chasseurs du Mandé, dont l'origine, selon la tradition, remonte à Sundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali, au début du XIIIe siècle. La vie dont parle le serment des chasseurs n'est pas la seule vie humaine. Ce à quoi il faut faire droit, ce sont toutes les vies sur Terre. Car la cosmologie dans laquelle Ubuntu puise son sens est une cosmologie de la continuité du vivant. Le principe vital parcourt en effet la chaîne de tous les êtres, depuis la force des forces, si on veut l'appeler ainsi, jusqu'au minéral. Rien n'est donc inerte dans un univers où tous les vivants, de Dieu au caillou, disait Senghor, sont solidaires. Avant de se traduire dans les relations de personne à personne, l'Ubuntu unité s'inscrit dans la vie elle-même et nécessite de veiller à toujours renforcer le principe vital universel. C'est pourquoi faire humanité ensemble et habiter ensemble la Terre exige de prendre soin de la vie et de prendre soin de la Terre. Tels sont les fondements de la citoyenneté mondiale qu'il nous faut inventer, parce que c'est là l'urgence que nous dicte la situation post-pandémique que nous vivons. Merci infiniment. I'd like everybody to join me again in applauding that presentation. Given my level of incompetence in French, and listening to him through translation may have created some gaps in what I caught from the lecture. But let me just flag a few key points as I understood them. I would like to draw our attention to the concluding part of this lecture, where focusing on two key concepts from the African world. The word Ubuntu, and then the Wolof word, both of which emphasize the commonality of not only human life in these various differentiations, but between human life on the other hand and other things in the natural environment. It's important for me that we start from the global stage and come home to our ancestral understanding of what is essential about life as we experience it here on the globe. There are three main
areas of focus for the lecture. Starting with lessons to be drawn from the pandemic with respect to not only religious beliefs, but especially religious practices. We must remember that Professor Suleiman Bashirjian is a philosopher with specialization in certain aspects of world religions, especially Islam. So what happens when the core aspects of your religious practice demands that you express your religion through congregation, relatively small to large numbers, as you would experience during the convergence of people from the Islam world in Mecca for the various programs? How do you keep to your religious belief and practice in a situation where you must now obey laws restricting not only movement, but also congregation? But it points out to us that Islam actually already has a way out for you, that do not go into an area where there is a pandemic. And if you are already there, please stay there. That provides a lesson there, that before the pandemic, Islamic thought has already given us a way out. There are those of us who would like to think that there is a necessary fundamental contradiction between religion and science. But here, in the second part of focus in his lecture, we find attention being placed on science and the answers it offers to many aspects of our life on the earth have to deal with the challenge of the pandemic. The scientific procedure requires patient investigation, sometimes over long periods of time, in order to arrive at a relatively defensible conclusion. How did this apply in the production of what? Vaccines. When we were overtaken by COVID, and initially there were no vaccines, the production of vaccines was supposed to have taken a long time, and maybe while we were waiting, while people were dying, the scientists were at work, they came out in a relatively short time with vaccines that appeared to have helped the situation. The certainty of science in the face of what? The doubts of the population and the anxieties of the population will come into play here. Then there is also the politics that
we must recall and attended access to the vaccines when they became available. The politics, on the one hand, would seem to bring up for us once more inequalities in the global space. Except that one of the lessons, most important lessons of the pandemic is the fact that human life in its essential dimensions, in that no life may perhaps be more important than the other. The commonality of our humanity comes up for us to consider, except that there are still inequalities. Yes, it was true that the pandemic didn't seem to have discriminated between so-called rich nations and the poorer ones. But we are also reminded that in the case of the US, certain elements of the population suffered disproportionately. Those elements of the population would include those who were already being discriminated against, the Black population, the other sectors of the US population. Citizenship, the globalization, maybe that was what we need to keep our minds on. And that is where, as I started with, he comes home to our concepts, as some of it he traces back to, in the world of tradition, to a few hundred years, or maybe more than 1,000 years ago, where we would need to recognize that not only there is a commonality within the human species, but also between the human and the so-called non-human. And in fact, in that philosophy, everything has life to it, including those aspects of our world that we would normally consider to be inanimate. I would like to suggest that the lessons that he draws out for us, starting with what we assume to be contradictions or challenges between religion and science, all the way down to the social and political realities on which the world is, we try to construct our relations in the world need to be re-examined carefully in the face of the lessons of the pandemic. I'd like to turn over to the audience for questions, comments. Lessons of the pandemic. Thank you.
So if we have mics on standby, let's take a few questions and comments for him to respond to, if possible. Can somebody help to identify hands that are up? These lights are flashing in our eyes, so you can't really see well into the. So you give where they, yeah. Your question or comment. Je suis Aruna Puntu qui fait un jour de l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Professeur, est-ce que au regard de ce qu'on a vécu avec la COVID, en termes de leçons, est-ce que nos acteurs institutionnels ont suffisamment tiré des leçons sur la COVID? Au regard peut-être de la perception qu'ils ont des crises. Ça a été une crise sanitaire qui est perçue, bien qui a été perçue par les acteurs institutionnels dans sa forme négative, au lieu d'être mobilisés comme quelque chose pouvant leur permettre de faire leur mise à jour, peut-être au niveau des plateaux techniques, peut-être au niveau de la recherche. Est-ce que nos élites politiques ont suffisamment tiré des leçons? Parce qu'avec la crise russo-ukrainienne, on se rend compte que les leçons n'ont pas été tirées. Est-ce que, au regard de ce que je viens de dénoncer, est-ce que nos élites politiques ont suffisamment tiré les leçons de la pandémie à coronavirus? Que ces élites politiques tirent ces leçons-là, c'est-à-dire que les priorités soient établies là où il faut. Je crois qu'à l'heure actuelle, ce que nous avons appris, c'est qu'aucun pays ne peut se permettre d'ignorer combien, par exemple, il y a dans ces hôpitaux de chambres permettant de recevoir en urgence tel nombre de la population, etc. C'est-à-dire que ce discours, en principe, est devenu maintenant un discours politique et plutôt que de simplement accuser nos élites, il faut que nous, de la société, nous fassions en sorte que la pression s'exerce sur ces élites et que nous mesurions leur niveau de préparation. Il est évident que les pays africains n'étaient pas du tout préparés. Même un pays dont on peut penser qu'il est relativement mieux loti que d'autres, comme l'Afrique du Sud, il s'est avéré que personne n'était véritablement bien préparé en termes d'infrastructures sanitaires. Et donc, il a fallu que, au fond, les dieux nous protègent d'une certaine façon. Et on s'est rendu compte que la catastrophe qui était annoncée pour l'Afrique ne s'est pas produite. On ne sait toujours pas pourquoi, d'ailleurs. Et ça fait partie des leçons que les scientifiques, probablement, avec le recul, vont pouvoir tirer. On a dit que notre climat ne s'y prêtait pas. On a dit. Il est probable que le fait que nous ayons connu beaucoup d'épidémies dans le passé a été aussi un facteur. Mais enfin, personne n'en sait véritablement rien. En revanche, nous serions coupables si pour la prochaine pandémie, dont on estime qu'elle arrivera fatalement, avant l'autre 50e anniversaire du Code Estria, probablement, il serait coupable, nous serions coupables de ne pas être préparés cette fois-ci. C'est-à-dire faire pression sur le politique pour que le discours de la préparation sur le plan sanitaire soit un discours politique sur lequel on décide au lieu que nos élections soient des beauty contests comme ils le sont à l'heure actuelle, qui est le plus populaire, qui est le plus guerrier, qui est le plus ceci ou cela, qui nous dit un discours audible sur le niveau de préparation qui doit être le nôtre aujourd'hui sur le plan sanitaire. Voilà une pression que nous devons exercer, je crois, sur nos élites politiques pour faire en sorte que le discours politique et les choix démocratiques aille dans la bonne direction. Il serait dommage qu'une fois la page COVID tournée,
on revienne à la situation antérieure. Ok, merci. Merci, professeur. Moi, c'est Lawani du Togo. J'ai deux questions. La première question est liée aux inégalités. C'est intéressant parce que d'habitude, il y a des maladies. On va dire que c'est la maladie du pauvre, c'est la maladie du riche. Mais ce qu'on a remarqué avec la COVID, c'est que dans certains discours, c'est la maladie du pauvre et dans d'autres, c'est la maladie du riche. Quand on prend déjà l'exemple que vous avez donné en interne aux États-Unis, on voit que ça touche plus peut-être les milieux pauvres, les Noirs, les Latinos et tout ça. Mais quand on prend au niveau global, on a l'impression que c'est la maladie du riche. C'est beaucoup plus les pays occidentaux, les pays riches, les pays développés, entre griffes, qui sont touchés. Alors, j'aimerais voir un peu votre vue là-dessus. À votre avis, est-ce que c'est la maladie du pauvre ou c'est la maladie du riche? Le deuxième volet ou la deuxième question, c'est lié à la religion. Justement, et ma question, elle est courte. Je ne sais pas si elle est simple, mais elle est courte. À votre avis, la COVID a contribué à accroître la croyance religieuse ou à réduire la croyance religieuse? Parce que quand je prends un pays comme le Sénégal, où justement, il y a eu des contradictions entre les discours scientifiques et religieuses, et puis, des mésententes entre ces deux pôles. Au final, vous-même, vous venez de le dire, aujourd'hui, on ne sait pas encore clairement pourquoi l'Afrique n'a pas été touchée. Est-ce que c'est, comme certains le disent, Dieu qui a protégé le pauvre ou bien, voilà, il y a d'autres raisons scientifiques. Donc, je voulais voir un peu d'un point de vue religieux. Est-ce que ça a cru ou ça a diminué la croyance religieuse? Merci. We will take maybe two more, so we can respond to them together. Give him another mic, that one is not working. Bonjour, je m'appelle Ian Hawkwood du Sénégal. Merci, professeur, pour votre présentation. Je suis Ibrahim Ouiché de l'Université de Champs au Cameroun. Je vais aborder mon propos sur deux points. D'abord sur la citoyenneté globale, universelle, à laquelle vous avez fait allusion, mais également inscrire cela dans la biopolitique, le biopouvoir, néologisme forgé par Michel Foucault. Vous savez, effectivement, la pandémie COVID-19 a mis en exergue l'urgence de cette biopolitique. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, on a vu une émergence d'une citoyenneté universelle, une citoyenneté globale. La citoyenneté globale implique également des agences globales de régulation. Et en la matière, on a vu l'OMS prescrire un certain nombre de mesures OGA-MRES qui se sont appliquées à tous les États du monde. Mais d'une part, il faut reconnaître, comme vous l'avez dit, qu'il y a une variation en termes de classe sociale, en termes de continent, l'expansion de la pandémie. Ce qu'on a observé en Afrique, c'était comme une maladie des riches. Tant et si bien que lorsqu'on allait dans les villages, pour prendre le cas du Cameroun, même avec les mesures barrières, symbolisées par le port des masques, quand les gens vous voyaient avec les masques au village venant des villes, les gens avaient peur et les gens ont continué à boire de l'eau, à se partager, n'est-ce pas, les verres et autres, sans véritable mesure, observation des mesures. Mais
Également, en milieu urbain, notamment dans les hôpitaux publics, il y a eu une suspicion. La suspicion qui venait de cette régulation globale à laquelle vous avez fait allusion, à savoir que il y avait une rumeur forte qu'il y avait une prime pour les hôpitaux qui devaient, n'est-ce pas, présenter un grand nombre de morts. Cela a eu comme conséquence une suspicion vers les hôpitaux privés et une publique et une prolifération des agences alternatives, médecine traditionnelle, médecine chinoise et bien d'autres. Alors, pensez-vous que ces mesures qui viennent de l'OMS dans le cadre de la régulation globale, est-ce que on peut croyez-vous, pensez-vous que ces mesures dans le cas du continent africain, et vous avez également fait allusion au cas du Sénégal avec le poids de la religion musulmane, est-ce que si on parle de citoyenneté globale et de régulation globale, est-ce que véritablement vous croyez que ces agences-là ont eu un impact en Afrique, notamment l'OMS? Hello, my name is Ian Hopwood. I'd like to ask a question to Professor Suleiman Bashir. The first time we met was 1999 when you were advisor to President Diouf. I also heard Tandika Makandiwiri stay in Zambia a few years ago, talk about the gap between the research community and the decision makers, the politicians. I'm just wondering, what is your reflection after so many years of research and interaction with policy? What advice can you give us about how research, how evidence can actually enter into the political sphere? What are the channels? How do politicians learn? Maybe a few suggestions from your own experience over the last decades. Thank you. Merci infiniment pour ces questions accompagnées de commentaires tout à fait bienvenus et qui ont enrichi le propos. Alors, pour mon collègue du Togo, sur les inégalités, effectivement, l'une des leçons que nous devons, nous, Africains, tirer de la pandémie, c'est que ce qui devait être une maladie du pauvre s'est retourné en maladie du riche. Pourquoi est-ce que ça devait être une maladie du pauvre? Vous savez, les maladies peuvent naître partout ailleurs dans le monde. Ce que j'ai appelé la voie de moindre résistance va probablement les amener à un moment donné en Afrique. Souvenons-nous de ce qui était l'épidémie, plus qu'une pandémie, du sida. Le sida a été, à un moment donné, approprié par l'Afrique. On a même pensé que c'était né en Afrique. Enfin, tout cela n'est pas clair. Mais en tout cas, l'Afrique semblait représenter la voie de moindre résistance pour les maladies, ce qui fait que dès lors que se profilait la pandémie du coronavirus, on s'est dit « malheureuse Afrique ». Beaucoup de pays du Nord, on le sait, ont d'ailleurs produit des rapports en disant « faites attention au continent africain ». Leurs infrastructures de santé vont être submergées très rapidement. Les mesures qu'il faut prendre en cas de pandémie, ces États faibles n'auront aucun moyen de les imposer à leur population. Le chaos va se produire sur ce continent. Ça ne s'est pas produit. On ne sait pas encore véritablement pourquoi. On le saura peut-être plus tard. Dans les 50 ans à venir, le Code Sria pourra y réfléchir. Mais en tout cas, ça ne s'est pas produit. Mais le fait même que le monde s'y attendait
été le signe qu'en effet, on a toujours l'impression qu'une maladie épidémique ou pandémique, quelle que soit son origine, finira toujours par être appropriée par les plus pauvres. Et ça, c'est le cercle vicieux d'où nous devons sortir. L'autre aspect de votre question sur la religion, est-ce que ça a contribué à accroître la croyance religieuse? C'est vrai que, et c'est humain, c'est une réaction humaine, de penser que des fléaux de cette nature, dont on ne sait pas trop ce qu'ils sont véritablement et ce qu'ils vont produire comme conséquence, il est naturel que cela accroisse une sorte de religiosité ambiante. Vous savez, lorsque le monde romain a commencé à s'effondrer, lorsque à l'ordre romain s'était substitué une période de décadence et de décomposition de cet empire, une nouvelle religion est apparue, le culte de la déesse Fortuna. Fortuna, c'est le destin, voilà, la chance. On s'est mis à adorer la déesse chance. Et ceci est un signe de ce que signifie notre propre humanité. Le moment où nous semblons être la proie de forces que nous ne contrôlons pas, nous nous adressons à des forces dont nous estimons qu'elles sont supérieures. Et donc, il y a une sorte de religiosité ambiante qui s'est effectivement développée et qui pouvait aller dans les directions rationnelles, comme celle que j'ai essayé d'illustrer en essayant d'insister sur le discours qui a été le discours religieux le plus en symbiose, en convergence avec ce qui devait être le discours de la science. C'est-à-dire que ce propos prophétique sur le fait de ne pas aller dans une zone où une épidémie s'est déclarée, mais de ne pas la quitter lorsque on y est déjà, c'est une mesure épidémiologique de base. Il me semble que ce visage rationnel des religions est un visage sur lequel il faut insister. En revanche, c'est vrai que la religiosité ambiante où on se confie à des fétiches de toutes sortes ou bien à des croyances de toutes sortes, on a vu apparaître toutes sortes de charlatans, d'ailleurs, de gens qui disaient qu'ils soignaient tout, Covid, etc. Mais ça, c'est un signe de nos pays. Ça, c'est un autre aspect. Alors, est-ce que ça contribue à accroître la croyance religieuse? Ça n'accroît la croyance religieuse que chez ceux qui sont véritablement croyants, je crois. Si on fait la différence entre religiosité et religion, je crois qu'à ce moment-là, on peut dire qu'en effet, la pandémie a accru la croyance religieuse, comme elle a accru également cette religiosité quelque peu enfin, populaire, appeler ça populaire, c'est un peu paternaliste, mais enfin, ce n'est pas une religiosité très, très réfléchie. Ibrahim, merci infiniment des remarques que vous avez ajoutées à votre question. C'est vrai que l'une des leçons de la pandémie, c'est effectivement de nous rappeler que toute politique doit aussi être biopolitique, c'est-à-dire qu'une politique est d'abord et avant tout une politique de la vie. Installer nos priorités là où il faut les installer, faire en sorte, pour revenir à la première question à laquelle j'ai répondu, faire en sorte que notre niveau de préparation pour les épidémies ou les pandémies à venir soit meilleur que ce qu'il est à l'heure actuelle, parce que nos niveaux de préparation ne sont pas très bons, c'est en effet une urgence et une nécessité en ce moment. Pour ce qui est de l'émergence d'une citoyenneté mondiale, il est important que nous fassions la différence, par exemple, entre l'OMS et l'OMC. L'Organisation mondiale de la santé a essayé de mettre en place pendant cette pandémie, une véritable gouvernance mondiale. J'étais relativement admiratif de ce que faisait l'OMS. Les informations nous arrivaient à peu près en temps réel, ça il faut le reconnaître, et nous étions tenus au courant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a eu l'impression de flottement, parce que d'un jour à l'autre, même les experts se contredisaient. Et ce que j'ai essayé de dire dans la deuxième partie de mon propos, c'est que le fait que des experts se contredisent ne nous dit rien contre l'expertise. Il est de la nature d'une véritable expertise précisément de rencontrer des contradictions. Et l'OMS a essayé de naviguer sur cette vague-là. En revanche, une autre organisation internationale comme l'OMC
C'est l'OMC qui s'est opposé à la généralisation de la vaccination et à l'appropriation des brevets et de la propriété intellectuelle par les pays qui pouvaient en avoir les moyens, qui pouvaient avoir les moyens de créer des génériques. C'est-à-dire que l'OMC s'est révélée comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une agence des riches et des puissants qui veulent imposer à notre monde un ordre reposant sur cet ordre d'injustice entre le Nord et le Sud. Tandis que l'OMS, me semble-t-il, indique la direction d'un véritable multilatéralisme qui remplacerait cet ordre mondial aujourd'hui, qui est un ordre d'injustice où, au fond, les plus forts orientent les choses. Et nous devons tirer la leçon du fait que l'égoïsme des puissants a été tel que même pour la crise majeure que l'humanité a connue, l'humanité ne s'est jamais arrêtée ensemble. Le monde entier s'arrête et pourtant on nous dit « Ah oui, mais attention, quand il s'agira de faire des vaccins, il y a eu des investissements importants, laissez faire les grands, ils vous donneront les vaccins qu'il faut. » Ça, c'est une leçon que nous devons retenir. La leçon à retenir, c'est que nous ne pouvons que compter sur nos propres forces. Maintenant que le communisme s'est effondré, nous pouvons reciter Mao Tse-tung tranquillement. Eh bien, compter sur ses propres forces, cela reste encore valable. Et pour ce qui est de la reconstitution d'un véritable ordre mondial avec une véritable citoyenneté mondiale fondée sur l'égalité et non pas sur les inégalités, je crois que l'OMS nous indique une direction meilleure que celle de l'Organisation mondiale du commerce, en effet. Et ces agences pourraient avoir un impact sur l'Afrique parce que ce sont des agences justement où le nombre compte. Je crois que nous avons un poids plus important en tant qu'Africains à l'OMS qu'à l'OMC, parce que dès lors qu'il s'agit de finances, évidemment, les grands de ce monde s'accaparent les choses. Quand il s'agissait de la santé, maintenant on s'est rendu compte que le secteur de la santé est devenu très important. Mais le fait, par exemple, que l'actuel directeur de l'OMS est toujours l'Éthiopien, je crois, c'est toujours lui qui est là, c'est un signe qui ne trompe pas. For the third question about the gap between research community and policy makers, this is the eternal gap. And we are actually witnessing it here at CODESRIA. I believe that CODESRIA is quite unique on our continent. The fact that you have this concentration of research in major sectors of research, such as social sciences and reflection on the state and all the, I think we should be listened to more by policymakers. And CODESRIA, this is the right time to pose the question again, to raise it again, because it would be great if in the next 50 years, we are listened more to by policymakers, creating some relationship between the African Union as it is constituting itself and our Pan-African organization is something that we should be trying to implement in the near future. But yes, that is the gap, and it is our role, I believe, to try to close the gap. And democracy is the ultimate key for that. Democracy means that you are listened to. It should mean that. And whether you are just civil society or researchers such as ourselves, that is where we should be headed. I believe by now. But thank you very much, and thank you for reminding me our first meeting back then when we were both of us, you at the United Nations and myself at the presidency, being an advisor to President Abdou Diouf, struggling to close the gap between research and policy making. I understand we have time for at least two or three more questions.
Who has the mic, please? Put your hand at the back there. Okay. Écho. Bonjour, professeur. Merci pour votre propos. Je voudrais revenir sur... Je suis David Ebutu, de l'Université de Yaoundé 1. Je voudrais revenir sur la question des inégalités. C'est une évidence que la COVID-19 a mis en évidence les inégalités des humains devant la mort. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que ces inégalités, notamment quand on voit un des aspects de ces inégalités-là, celui justement de la pandémie, dans cette injustice, dans le management de l'offre vaccinale, est-ce que cela ne peut pas être lié, par exemple, au rapport que l'Afrique continue d'entretenir avec le Nord global, une forme de néocolonialisme, l'impérialisme, toutes ces choses que nous dénonçons, que le panafricanisme dénonce et qui ne prend pas toujours corps dans la réalité telle qu'on voudrait penser les rapports entre humains. Est-ce que cela n'est pas à percevoir aussi dans ce sens-là? Je vous remercie. Any more questions? Ah, merci. On sait que au moment des crises, la religion se transforme souvent en refuge. Sauf qu'avec le COVID, les espaces religieux, physiques, des pratiques religieuses ont été fermés. Les mosquées, par exemple. Et alors, on est tombé dans une sorte de paradoxe. Maintenant, avec cette fermeture, on assiste de plus en plus à l'apparition de ce que certains appellent la version 2.0 de la religion. Ou la religion qui est transite par des espaces virtuels. J'aimerais juste avoir votre point de vue sur l'impact de cette transformation à la fois sur la construction de la citoyenneté et sur l'avenir de la pratique des religions en général. Merci. Oui. Last question. Oui. Thank you. My question is, given the large number of prophets, prophetesses, seers, visionaries in the world, we couldn't have just one to prophesy the outbreak of the pandemic. Why is that? Was it because the virus was so small that visionaries couldn't apprehend it, or what's the explanation? Okay, please. Bonjour. Bonjour. Donc, merci. Je suis Ali Nasseri du Maroc. Je suis économiste. Je félicite professeur Suleiman pour cette vue philosophique de la crise de la pandémie. Je crois qu'on a entendu beaucoup des aspects techniques de gestion de la pandémie. Et c'est le moment où, pour moi, est venu pour tirer notre attention sur le modèle dans lequel l'humanité est entrée, à savoir, je vais la lire d'un point de vue économiste, parce que on est entré dans un monde où ce sont les grandes entreprises qui dominent et se sont développés le modèle de consommation de la part des gens. On a vu ça dans les premiers jours de la crise. Tout le monde voulait acheter des stocks et on a vu des pénuries de produits. Et du côté des entreprises, et vous l'avez évoqué, en pleine crise de recherche des vaccins,
les labos se sont rués vers cette recherche avec l'aide de l'argent public. Ils n'ont pas renoncé au droit de propriété. Donc, ils voulaient, c'est un modèle de rentabilité et de productivité. Donc, je crois que la pandémie est venue pour nous mettre devant une grande chose. Ce sont les crises qui vont se répéter. On est devant maintenant la crise de COVID, elle est derrière nous, mais on est devant une grande crise qui est générale. Ne va épargner ni les riches ni les pauvres. C'est exploiter les ressources naturelles. Le modèle qu'on développe actuellement avec la mondialisation, c'est exploiter les ressources naturelles au maximum pour enrichir les comptes et enrichir les bourses. Et c'est un modèle qu'il faut remettre en cause parce que la pandémie, elle est venue dans un moment pour nous alerter. La crise qui va sévir, c'est plus grave, c'est le climat. Donc, c'est se préparer. En fin de compte, la pandémie nous a révélé une chose, c'est que la vie ne tient qu'à des petites choses. À quoi ça sert d'exploiter plus la nature? Et je vous remercie pour cet aspect philosophique de la crise. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour la question de notre collègue David de Yaoundé, c'est vrai que les inégalités qui se sont manifestées à l'occasion de la crise, parce qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de décision très généreuse qui s'appelait COVAX, qui semblait être la grande promesse d'une égalité où la distribution des vaccins se ferait au prorata des populations, etc. Et très vite, dès lors que les vaccins ont été effectifs et qu'ils ont été mis en place, les égoïsmes et ce que j'ai appelé dans mon propos les tribalismes se sont mis en place. Ce que cela nous dit de notre rapport au Nord global, c'est que, encore une fois, nous devons véritablement nous constituer en Sud global. Vous avez évoqué le panafricanisme dans votre commentaire et votre question. Et je crois qu'en effet, c'est la réponse. Encore faut-il que ça soit un panafricanisme constructif. Nous avons une espèce de panafricanisme qui circule dans les réseaux sociaux qui ne ressemble en gros à rien, qui est un panafricanisme qui ne construira strictement rien et qui est un panafricanisme du ressentiment, comme je l'appellerai. En revanche, si nous revenons au panafricanisme des pères fondateurs, au panafricanisme qui dit, par exemple, qu'il faut que ce continent africain soit un, du Caire jusqu'au Cap et de Djibouti jusqu'à Dakar, une continentalisation véritable de l'Afrique, ce panafricanisme-là aura toutes ses chances et pourra être mieux, une meilleure préparation pour nous, pour faire face non seulement aux pandémies qui vont, les différentes pandémies qui vont probablement se profiler de plus en plus, mais à d'autres crises qui nous ont été révélées. Il est important que ce panafricanisme, nous le construisions, et c'est la vision du CODESIA, puisqu'il s'agit de ces 50 années, le CODESIA a été construit sur cette vision-là. C'est ce panafricanisme qu'il faut que nous réalisions. Il faut que les pays africains se tournent vers eux-mêmes, que nous ayons chaque pays africain ait une politique africaine et que nous allions vers le monde que nous allons affronter ensemble. Et cela est essentiel, me semble-t-il, et que nous construisions notre rapport au Nord global à partir de notre panafricanisme, c'est-à-dire à partir de notre propre agenda. Le Nord global se satisfait parfaitement d'avoir des pays africains isolés, chacun d'entre eux étant intégré de manière verticale à l'ordre mondial. En revanche, construire nos horizontalités, faire en sorte, par exemple, que la politique de santé qu'appelle la crise dont nous sortons soit une politique pensée aussi au niveau de l'Union africaine. Ceci est important. C'est dans cette direction-là, me semble-t-il, qu'il nous faut aller pour affronter les crises majeures, la crise de l'environnement. Il est heureux d'ailleurs qu'au sommet de la liste des priorités de l'Union africaine, il y ait, par exemple, la muraille verte. Bon, on a tous les problèmes du monde pour construire cette muraille verte parce que le Sahel étant ce qu'il est, la muraille verte a à peu près fonctionné ici à l'ouest au Sénégal, mais on imagine très mal cette muraille verte en ce moment traversant Mali, Niger, etc., jusqu'au Tchad et au-delà. Mais enfin, la direction est celle-là. Avoir un agenda
panafricain clair et obliger le reste du monde à s'inscrire sur notre agenda. Parce que si vous n'avez pas d'agenda, vous allez être sur les agendas de quelqu'un d'autre. Et de ce point de vue-là, je suis heureux d'ailleurs qu'aujourd'hui, cela se développe de plus en plus. Et je profite du fait que nous avons beaucoup de collègues et d'amis marocains ici pour souligner que la politique marocaine, de ce point de vue-là, est une des politiques qui indique la direction à prendre. C'est la manière dont le Maroc a une politique africaine et dirigée vers le sud est un modèle de ce que j'essaie de dire, parce qu'en matière, par exemple, de politique vaccinale et de politique de santé, cette orientation-là est pleine de promesses. La religion, il est normal qu'elle soit un refuge, parce que c'est l'humanité qui est ainsi faite. Vous savez, quand Max Weber, dont j'ai parlé en d'autres circonstances, semblait annoncer la fin des religions. On a toujours annoncé la fin des religions, le soleil de la rationalité va se lever et la religion va se dissiper comme une illusion. Ça, c'était la grande phrase du marxisme. Il s'avère que ce n'est pas vrai, qu'il y a quelque chose de profondément humain et humaniste dans la signification même de la religion. Et c'est une des leçons que porte cette crise. La manière dont cette crise a fait qu'en effet, la religion est apparue comme un refuge, cela nous dit quelque chose de la vérité de l'humain. Je ne sais pas ce que cela nous dit de la vérité de la religion, ça c'est une autre question qui tient à la foi des uns et des autres. Mais cela nous dit quelque chose de la vérité profonde de l'humain, qui est de savoir s'en remettre à une puissance supérieure sans fatalisme du tout. Et j'ai insisté sur ce point-là. Ce n'est pas du fatalisme que de dire que quand un fléau incompréhensible se manifeste, il y a probablement une force supérieure qui peut être d'ailleurs la transcendance de l'humanité elle-même, qui peut me sortir de là et nous donner un certain espoir. C'est en effet le paradoxe que vous avez souligné avec juste raison, que les moments de fléau sont des moments précisément où on cherche à être ensemble, où on cherche également à être ensemble dans les lieux où on a défini une relation verticale que l'on peut avoir à la divinité. Or, la réponse, c'était justement de ne pas être ensemble. Est-ce que les espaces virtuels peuvent remplacer cela? Les espaces virtuels ont remplacé ce que nous faisons tous les uns et les autres, c'est-à-dire enseigner. Pendant 2 ans, j'ai fait tous mes cours pratiquement sur Zoom. En revanche, quand il s'agit de la religion, est-ce que les espaces virtuels peuvent remplacer les réunions? On s'est rendu compte que non, que paradoxalement, dès lors qu'il s'agit de ces questions d'identité profonde, les espaces virtuels semblent être plus des facteurs de division et de tribalisme que des facteurs de réunion. On pouvait avoir espoir dans les technologies de l'informatique, de l'Internet, par exemple, en disant que ces technologies vont créer une sorte de communauté virtuelle. Or, ce que l'on voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux favorisent les tribalismes. Ce sont les divisions en tribus et les insultes que l'on se lance d'une tribu à une autre qui se sont davantage développées. Et lorsqu'il s'agit de la religion, ce sont les aspects les plus irrationnels de la religion, malheureusement, que l'on voit apparaître aussi dans les réseaux sociaux. On parle de Imam Google. Là, vous avez toutes les réponses possibles et imaginables quand vous allez sur les réseaux Internet et vous avez une espèce de développement d'une profonde ignorance qui fait fond sur une religiosité apparente. Et ce paradoxe-là, il va falloir essayer d'y faire face, essayer de le comprendre, essayer d'y réfléchir parce que les réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire, sont entrées dans nos vies, elles sont là pour rester. Et donc, comprendre ces espaces virtuels et l'impact qu'ils peuvent avoir sur une citoyenneté mondiale et sur un dialogue des cultures, des religions et la construction de passerelles pour ne pas rester enfermés dans nos tribus respectives, est un point important auquel il nous faut réfléchir en tant que spécialiste de sciences sociales. That was a good question. How come we have so many seers and prophets and nobody just could not see it
coming. What is the explanation? Well, the simplest explanation is that we should get rid of those who pretend to be prophesizing, etc. So, but because we are not talking about science, but something totally irrational, they are always capable of explaining their own failures. It is never their fault. It is not never their failure. And they could even tell you that in a way, they saw it coming because they say this or that. So they are not ready to face just the ultimate test of science when something falsifiable is falsified. They do not face it because it is their nature to be. But it poses another question, actually. I take the opportunity of your question to go in that direction. When we talk about epistemologies coming from the global south today, and the idea of de-linking with epistemologies from the north, we have to be very careful. It looks like we do not believe anymore in the universality of science, that every episteme has its own logic. They have their epistemologies up there in the north. We have our epistemologies down here in the global south. We have to build our knowledge, our curricula based on that. Let's not forget that the demand to universalize anything having to do with knowledge is present within each single episteme. The idea that these, all these people who pretended that they could cure the COVID, that they could see it coming, etc., have been submitted to the test, the ultimate test, which is the test of numbers. When you say that this is a cure for a given illness, you have to have the numbers on your side. You have to say that out of 100 people who have been submitted to the test of this vaccine, 95% were protected or something like that. When you think that way, sometimes you have people who say, okay, but this means that you have been brainwashed and you have a kind of Western notion of science measured by numbers, etc. Well, this was an excellent test because when it comes to life, that is what you have. You measure it by numbers. So I think that one of the lessons we could draw from what happened with these pandemics is to think again about what we consider to be a true decolonization of knowledge and what we think is the history actually of circulation of knowledge in among human beings and what it means to believe in the universality of science, even though you acknowledge the plurality of epistemologies in the world. And I think that this is a very important, crucial question that we should be posing. And the pandemics and the vaccination and everything that happened around all sorts of cures that were at one point envisioned in Madagascar or elsewhere, we should be drawing lessons from that when it comes to decolonization of knowledge. Ali, vous avez mille fois raison de dire que la COVID, cette épidémie a attiré notre attention sur des choses absolument importantes. L'idée que même dans une crise comme celle-là, il y a eu ceux qui ont profité, ceux qui ont accru leur richesse. Paradoxalement, la crise de la pandémie et la crise économique qui l'a accompagnée a creusé les inégalités, c'est-à-dire enrichi les plus riches. Et cette crise générale, comme vous dites, nous enseigne effectivement à comprendre davantage ce qui doit être la solidarité qui doit être la nôtre et le changement que nous devons initier de nos modèles d'exploitation. De ce point de vue-là, vous avez mille fois raison de lier la crise sanitaire et la crise environnementale et de dire que parce que la vie
ne tient qu'à peu de choses, sa valeur est d'autant plus grande. Elle est fragile, elle est vulnérable, elle est d'autant plus précieuse, et toute politique, pour revenir à la question, à la première question, doit être véritablement, à la question d'Ibrahim de tout à l'heure, doit être véritablement une politique de la vie, et réapprendre encore une fois l'essentiel des valeurs qui doivent orienter nos politiques, à la fois à l'échelle individuelle, à l'échelle de nos États et à l'échelle du monde, c'est ce que j'ai essayé d'articuler dans cette notion de cosmopolitique d'humanité. Et je voudrais véritablement vous remercier les uns et les autres pour avoir enrichi par vos commentaires et par vos questions le propos que j'ai voulu partager avec vous. Merci infiniment. Before we formally conclude, let me just draw attention to one or two key points that Professor Bashir Suleiman Jian has emphasized. The need for us to be careful, we don't take it for granted that the next time Africa will be already protected by whatever we don't know, that we must be prepared. Let's not be caught again unprepared, hoping that whatever helped to intervene this time, last time, will happen again. And a couple of suggestions, the need for us to be more attentive to the environment, that in the face of the fragility of life, we should not be careless with our interactions with the environment. The need for us, not only as an academic community, but as a social and political community, to take a common approach, a pan-African approach, without closing ourselves in against the rest of the world. Let's design our own common strategies, but let's not conclude that that will be necessarily sufficient. In the world, that global citizenship that he talked about in the main lecture will still guide us, even as we depend more and more on our own common strategies. We will still need the rest of the world, just as if there was any lesson in this, the rest of the world must realize that they also need us. There was an irony in the politics of what, access to the virus, not the virus, but the cures that were developed. The stockpiling, as it turns out, did not necessarily solve the problem entirely, because at the end, the stockpiled, solutions became outdated. It was when they were getting outdated that they decided to give Africa access to those that had 2 months to go, 3 weeks to expire, then they started making them available to us. That should tell us something. If it hadn't ended sooner, we may have had lots of what? The vaccines, only to realize that they're already dead on arrival. Let's once again put our hands together for Professor Bashir. Thank you.
Professor Suleiman Bashir Jan, for starting our morning on this excellent note. I don't know if I revealed that part of my intellectual career was created around the two professors here, because I was part of the African Humanities Institute. I actually do remember that Professor Bashir was the preceptor of the institute that we held both in Legon and in Northwestern. So thank you again, and I really appreciate this. Professor Fred Hendricks, you have something to say? Can we have a mic? Hello, I have two announcements. Number one, the African Humanities series is having a flash sale downstairs in the book kiosks, largely because I don't want to carry books back home. So please come down to the book kiosks to buy some books. And the second announcement is that the African Humanities series has just signed an agreement with Routledge so that we take care of the African distribution on the continent, and so the price of the books will be lowered on the continent and they take care of distribution elsewhere. And so I would like to invite you to please submit book applications to us. Thank you very much. Thank you very much. We'll take a break of 20 minutes. And then we come back to the next panel. Thank you very much.
It's always good to be back in Dakar. The purpose of coming to Dakar is different, though. Kimbodora is good to go. What are you doing there? Rebel headquarters in Dakar, Senegal. Council for the Development of Social Science Research in Africa, CODESRA, was established in 1973 as an independent pan-African research organization dedicated to social sciences research in Africa. It is recognized not only as the pioneer African social research organization, but also as the preeminent non-governmental center of social knowledge production on the continent. CODESRA's charter sets out the council's structure as follows. Members, the General Assembly, the Executive Committee, the Executive Secretariat, the Secretariat staff. The charter also provides for full membership rights to individual African researchers and African research institutions and associate membership to non-African individuals and institutions. The General Assembly is the highest decision-making organ of the Council and meets once every 3 years around a scientific theme, with discussions held constituting the nucleus around which CODESRA's intellectual agenda is developed. The Assembly elects the President, the Vice President, and members of the Executive Committee and approves the composition of the Scientific Committee proposed by the Executive Committee. Since 1973, CODESRA's executive committees have been chaired by the following presidents: Professor Jacques Kazadi Induba Wadile, Professor Kankam Chumberima, Professor Justinian F. Reyemamu, Professor Jacob Mumbi Mwanza, Professor Claude Akei,
Professor Taladidia Thiombianu, Professor Ernest Wamba Diawamba, Professor Akilapa Soya, Professor Mahmoud Mamdani, Mrs. Zenebe Waketadese, Professor Theresa Cruz Esilva, Professor Samoyu, Professor Fatima Harak, the Executive Secretariat based in Dakar, Senegal, is the body responsible for implementing programs and activities to materialize the strategic plan set by CODESRIA's General Assembly. The Secretariat is organized around three scientific programs: research, training, grants and fellowships, and publication. Since its creation in 1973, CODESRIA's Secretariat has been successfully administered by the following executive secretaries: Professor Samil Amin, Professor Abdallah Bujra, Professor Tandika Mkandawiri, Professor Ashil Mbembe, Professor Adebayo Olukushi, Dr. Ebrima Sala. CODESRIA's scientific profile. In pursuit of its key objectives, CODESRIA has over the years designed and implemented a wide range of significant scientific projects and programs through which it has built an unmatched profile as leader in the production of social science knowledge in and about Africa. Four key scientific events held over the last decade provide a representative view of CODESRIA's basic intellectual agenda and programs. In December 2003, CODESRIA marked 30 years of its existence with a major three-day conference in Dakar, Senegal, under the theme Intellectuals, Nationalism, and the Pan-African Ideal. This conference brought together over 100 intellectuals who presented major findings and debates in plenary and parallel sessions. Key speakers included Ali Mazuri, Ngugi Wa Thiong'o, and Joseph Kizebo, who were all honored with CODESRIA lifetime memberships. For which I'm truly grateful. It gives me great pleasure to invite Professor Ngugi Wa Thiong'o to step forward to receive the award which the African Social Research Community is conferring to him of honorary membership of the Council for the Development of Social Science Research in Africa. And it gives me really a special pleasure to have got this award together with Ali Mazirui. The conference also saw the relaunch of the Journal of Higher Education in Africa and African Universities. A high point was the honoring of a key founding member of CODESRIA, Achim Mafeji. But you see, I have no compassion for the example of him. No. And so the only thing I can say is to thank CODESRIA for the great honor, which is not to say I'm grateful to have this. Participants dance their hearts out to music by celebrated musicians. Thank you.
Australia's 11th General Assembly held in Maputo, Mozambique, in December 2005 was opened by Her Excellency Luiza Diogo, the Prime Minister of Mozambique, with the Mayor of Maputo and the Rector of Eduardo Mondlane University, the host institution, in attendance. It is indeed a pleasure for me to share with all of you the message of government and President of the Republic, Mr. Gilbrisa, a message extended to all organizers, participants, and invitees to the international important event. We are indeed honored by the CODESCO decision. It's held under the theme Rethinking African Development Beyond Impasse Towards Alternatives. Reports were received from the President, the Executive Secretary, and the Scientific Committee Chair. Keynotes and memorial lectures were delivered by